MLOS a fait de l'OAI un pays. Monsieur Touré s'adresse à MLOS. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce Flash Info. Vraiment, cette affaire de l'OAI un pays de MLOS, depuis, on n'en avait pas parlé. Et cette fois-ci, on va bosser un peu le sujet et vous voyez. Monsieur Touré s'est adressé bien sûr à MLOS en disant ceci. Voilà les termes bien sûr de Monsieur Touré. Si elle veut qu'elle garde bien sûr les 7 mois de l'OAI MPI, qu'ils vous souviennent. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, c'est que bon, MLOS doit de l'argent à Monsieur Touré, selon Monsieur Touré. Qu'elle porte la maison en l'état comme elle l'a trouvé. Contrairement à ce que MLOS veut faire croire, ma maison n'était pas délabrée quand elle rentrait. Elle devrait déjà à 2 mois de loyer, c'est-à-dire mai, septembre avant, de m'informer de son départ de la maison. Elle payait le loyer avant de consommer. En décembre 2022, j'étais à Abidjan et j'ai pu moi-même récupérer bien sûr le mois de novembre. Depuis lors, je n'ai plus rien reçu. Chaque mois que je venais, on me disait qu'elle n'avait rien laissé. MLOS depuis Dubaï m'a demandé si j'avais ces 3 mois de caution car elle envisage quitter le local. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau. Les mois passent, je ne recevais plus le loyer. Les employés me disaient qu'ils sont en train de faire les travaux et libérer la maison. À ma grande surprise, je trouve ma maison dans un mauvais état. Je ne pouvais pas penser un seul instant qu'on pouvait me faire un tel coup. MLOS dit être entouré d'experts en droit. Normalement, ces experts en droit auraient dû lui dire que normalement, quand on doit quitter une maison, on fait un préavis. Qu'elle mette ma maison en état comme elle l'a trouvée. Si elle veut qu'elle garde bien sûr les d'un pays, mais de grâce qu'elle remette la maison comme elle l'a trouvée. Voilà les propos bien sûr de Monsieur Touré. Cette affaire de l'OAI MPI de MLOS ne va pas cesser et elle essuie actuellement des railleries bien sûr sur la toile. Les gens sont en train de se moquer d'elle à gauche et à droite. Bon, en tout cas, donnez votre avis par rapport à cette histoire. Maintenant, si MLOS doit de l'argent, il faut qu'elle remette l'argent et tout. Quant à moi, tout à l'heure pour de nouvelles vidéos. Ciao.